fumer, alors que c'est pas... Allez, on commence. Pour l'ancien vainqueur François Delecourt, c'est évidemment la vedette François Delecourt international de ces jeunes boucles. Officie en tant que copilote, Priscille Delecourt. On va avoir deux pelotons différents qui vont se lancer. Un plutôt typé vitesse, si l'on peut dire, avec les target tanks, donc les crawls un peu partout sur le parcours. Et vous avez notamment vu passer il y a quelques instants avec le numéro 201, Christophe Berthelot et Baptiste Jongou sur la Porsche 911 SC, un équipage franco-belge. On aura Christophe Baillet et Pierre Colliard qui, avec la Ford Escort RS 2000, qui est la première spéciale pour les concurrents dits de vitesse, sera la quatrième pour les concurrents classiques. Voilà, en résumé, très très rapide, ce qu'il faut attendre. Marc Thué qui avait gagné. Oh là, et qui va. Ça commence bien, Marc, ça commence bien. Marc Thué avec la Ford Escort RS 2000 numéro 3. Marc Thué, Thierry Jacquet. On retrouve avec énormément de plaisir Marie de l'Audi Quattro dont on pourra vous reparler. Fred Capras avec Frédéric Jacquemin à ses côtés. Alors le garage Jacques, évidemment, Ford Escort RS 200 pour ce duo. Fred Capras qui vise encore et toujours une victoire ici à domicile. Le pilote chaud bouillant. Alexandre, génération celle-là, tout comme celle de Gaëtan Choubrot et de François Guélon, Ford Escort RS16-1 de la Ford Escort numéro 205. Et on va retrouver, on a une pensée évidemment, Patrick Lambert, on va avoir une grosse pensée pour Joseph tout au long de ce week-end qui nous a quitté il y a quelques jours. Catégorie classique, on est en classique 65, désormais ça va être un peu plus sportif. Donc Cédric Cherin et Damien Peters avec cette superbe décoration de Martelange, partenaire de ces les succès au Legend Book. Il a l'une des Ford Escort de l'équipe Andes Motorsport. Classique 65 avec Yves de Flandre et Yves Nolander sur cette Porsche version 944. Et en Challenger, le retour de Guilain de Mévius avec Johan Chalet. C'est une Ford Escort également pour Guilain de Mévius. On l'avait également tout le mal qu'on lui souhaite. À suivre également dans la catégorie classique, Daniel Reuter et Robert Van de Voorst avec cette Porsche 914-6. Voiture toujours assez originale et sympathique à voir également, qui est la voiture habituelle de... Ce sont les classiques 65. Quand on a des numéros qui commencent pour le moment par un 7, par exemple, Jean-Pierre Van de Voorst, vainqueur en 2012 des Legion Boucle Aspa, Jean-Pierre Van Hoer et José Michel. Que deux départs tout simplement qui, je pense, se trouvaient au niveau des Halles, comme nous étions l'an dernier. Éric Jongou, Didier Gatti, la Volvo 140, une voiture en classique, bien sûr. Et puis regardez cette voiture ô combien originale pour l'incontournable Patrick Sneijers avec David Thierry, une Corvette C3 Stingray. Ça, ça le fait, hein, effectivement. En termes d'originalité, je pense que c'est le clou du spectacle pour Patrick Sneijers. Vous avez vu, il n'y a pas de coffre, on a accroché la roue comme on a pu à l'arrière. Reculez, 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 s'il vous plaît. Super sympa en tout cas de voir Patrick Sneijers avec une voiture comme celle-là. Numéro 209 avec Claude Ninan et Christophe Simon sur leur Opel Kadett. C'est une Opel Kadett. Et puis voilà Yves Maton avec Antoine Podcordi, son beau-fils en copilote, avec ses Porsche 911 aux couleurs du rallye en 1963, donc 60 ans pour la 911, 75 ans pour Porsche. Tout cela sera fêté tout au long de cette année 2023 de manière générale. D'ailleurs, ça a déjà commencé au Salon de l'Auto, ça se poursuivra notamment au Mans avec Porsche qui reviendra au 24 heures du Mans. Bref, on va beaucoup aux roues avant motrices dans cette période, les tractions comme on les appelait pour toutes les autres, hein. Ce sont des voitures en général qui sont des propulsions. Voilà Olivier Cartel, sympa hein, dans la déco de celle-là. Olivier Cartel avec Andy Maway sur cette Ford Escort numéro 24, le patron pilote de l'équipe CRT 2000 Mark 1. On est avec des concurrents classiques 65 ici pour la famille Bartholémy. Et cette voiture, alors, vous l'avez peut-être remarqué, ou vous pouvez le remarquer si ce n'est pas encore fait. Il est obligatoire dans cette catégorie, le harceau de sécurité, ce sont les barres que l'on voit dans la voiture, donc les barres qui permettent d'éviter que la voiture s'écrase en cas d'accident et qui doivent absorber un choc éventuel. Christophe Dacot avec Steven Spitals, deuxième Christophe Dacot l'an dernier des Legion Boucle à Fastone.
les rallyes où les rallymen belges pouvaient être professionnels en roulant dans leur pays. Et on continue avec la 212. La descente du podium risque d'être assez spectaculaire. Alain Collet et Didric Mortier. Numéro 13 avec Frédéric Bouvier et Jean-Louis Hautelet sur la Ford Escort du Fred Racing Team et non pas du Ford Racing Team dans ce cas-là. On va retrouver maintenant une Porsche, celle de Thibaut Mazouin avec Christophe Mazouin. Sera une épreuve Cup en l'occurrence. La 15 avec Stéphane Stouff et Jory Serrard, le vainqueur de 2011, Stéphane Stouff, qui avait terminé sur le podium, 3e encore l'an dernier, 4e l'année d'avant, Stéphane Stouff, il sera lui aussi l'un des pilotes. Numéro 215, Michael Weller a mené leur BMW 1602 avec ses couleurs, mec rally notoire, cette Ford Escort du Andes Motorsport et qu'on se réjouit de retrouver ici. Est-ce qu'Eric Moffren pourrait être la bonne surprise, peut-être, pourquoi pas, de ce Legion at Bastogne. C'est un pilote qu'il faudra surveiller en tout cas, il a une très très bonne réputation en France, son escorte est en performante, donc on devrait pouvoir compter sur lui également. Numéro 216 avec Michel Gillard et Jennifer Hugo sur cette BMW. Michel Gillard et Jennifer Hugo, c'est une BMW 323. On nous ramène au début avec une BMW dans ce style-là, une 323. Et puis retour avec la numéro 17 de Frédéric François et de Jérémy Penoît, Ford Escort RS 2000. Sympa d'ailleurs au niveau de la déco pour l'ami Frédéric François qui est l'un des régionaux de cette étape. Un kilomètre seulement de Bastogne et comme la présentation des équipages régionaux qui avait permis de déjà se mettre dans l'ambiance. Mitsubishi Lancer. Version turbo série par la suite, hein, qui avait notamment permis à Tommy McKinnon d'être 4 fois champion du monde. Celle-là, c'est une Lancer première génération. Lancer Tom Bonnen avec Erwin Mombartz. Tom Bonnen, c'est évidemment également en Canada, champion du monde de cyclisme, 4 fois vainqueur de Paris-Roubaix, il n'a jamais gagné Liège-Bastogne-Liège, mais il nous le disait hier, il connaît pas mal de routes dans la région qu'il a reconnues. Alors regardez cette voiture, elle est superbe, la Lancia Delta Integrale. Julie Kenis, attention Julie Kenis, qui avait été la surprise avec Björn Klo pour le fun, elle a testé l'an dernier, elle a complètement accroché et je n'aurais peut-être pas dû dire parce qu'elle a beaucoup de Hervé Magnin avec Jonathan Lemaire, une Ford Escort RS de la première génération. 214 avec Eugenio Rossi et Michele Perlino, voiture superbe également, cette Lancia Flavia Coupé 1966, l'année de fabrication de cette voiture. Voilà André Rosberg avec Pascal Lopez et cette Porsche numéro 20 pour André Rosberg, Pascal Lopez, son numéro 274 pour la 219 avec Serge Bertoulli et Amaury Vauville. De Volvo 142. On va en avoir quelques-unes, hein, des Volvo, les jolies sur partie effectivement du spectacle. Regardez, Classique 21 et dans la course, c'est Dominique Bricot, journaliste et copilote. Il est aux côtés de Julien Hellebaut, monsieur Ancien Mexique. Donc, cette décoration Ad Bastogne, on est ravis de les avoir avec nous. Benoît Renier, Denis Renier, une BMW, la numéro 220. Celle de Dirk de Pestel et de Frankie Van de Castel en 1981. Numéro 25, c'était. On est ravis d'accueillir une fois encore Guy Verhofstadt parmi nous, notre ex-premier ministre, toujours bel et bien présent. On a changé de monture cette fois avec cette Lancia Fulvia coupée rallye 1300.
pour différents stades, voitures originales, si l'on est, et qui effectivement est en escorte aux couleurs mythiques de Robert Brugmans avec Émile Brettmeyer et Alexis Thomas. Ford Escort numéro 26, Ford Escort MK2. On a une voiture qui officiellement date de 1976, mais on sait évidemment que les Ford Escort sont des voitures qui avaient brillé sur les rallyes pour permettre justement la réparation de ces voitures et la préparation aussi de ces voitures. Numéro 224 avec Hervé Van Rijck, Vorsel et Fouad Étoile là-bas, qui est donc son copilote. Ça va beaucoup amuser Hervé, j'en suis sûr. Avec Hervé Van Rijck, Vorsel, donc Fouad Étoile bas, et on est avec une Volvo 122S de 1900. Ivan Lenders, Austin Mini de 1969. Mini Marti A, entre autres, gagné deux fois le rallye Monte Carlo. Avec Christophe Deneux et Rutger Govart, une Opel Astana A 1900. Première génération de l'Opel Astana, là aussi, on a eu différents modèles en rallye. Une BMW M3.